Les forces fidèles au général de l'Est, Khalifa Haftar, ont pris le contrôle ce dimanche de trois terminaux pétroliers, jusqu'alors sous contrôle de l'équipe de Fayez al-Sarraj. Un revers pour le gouvernement d'union nationale en Libye. Il s'agit du terminal d'Al-Sidra, de la zone résidentielle et de celui de Ras Lanouf. Les affrontements se concentrent maintenant au niveau du terminal de Zouétina. Les forces du général Khalifa Haftar sont ainsi passées de la parole à l'acte. Et pour cause, fin juillet, elles avaient menacé d'attaquer les tankers qui se livreraient à des transactions avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Ces attaques surviennent au moment où les forces du GENA sont impliquées dans des combats pour chasser les djihadistes du groupe État islamique de la ville stratégique de Sirte.